Fusillade lors d'un tournoi en Floride, David Katz a-t-il tué parce qu'il avait perdu? Fusillade États-Unis, à 24 ans, David Katz a été identifié comme l'auteur de la fusillade qui a fait 2 morts ce dimanche 26 août à Jacksonville en Floride. C'est lors d'un tournoi de jeux vidéo que le jeune homme a ouvert le feu avant de se donner la mort. Mis à jour le 27 août 2018 à 11h17, nouveau drame aux États-Unis. Le pays vient d'être à nouveau touché par une fusillade. C'est ce dimanche 26 août que des coups de feu ont éclaté dans un centre commercial lors d'un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville dans l'État de Floride. 11 personnes ont été blessées et 3 autres sont décédées, dont le tireur. Identifié comme étant David Katz, l'auteur de la fusillade âgé de 24 ans était originaire de Baltimore. Vainqueur du tournoi en 2017 au Buffalo Bill, le jeune homme s'est donné la mort à l'issue de son geste. David Katz aurait, selon les informations du Los Angeles Times, ouvert le feu après avoir été éliminé du tournoi. Et si certains participants du tournoi ont affirmé que le jeune homme visait précisément certaines personnes, les autorités locales n'ont fourni aucune confirmation ni information, rapporte le HuffPost. Les motifs de ce geste restent pour l'heure un mystère. Congrats to David Katz, the Madden 17 Bill Championship winner, thanks for following along, Bill fan. https://co/isfelkpic.twitter.com/inkdelixt Buffalo Bill, @BuffaloBills, 27 février 2017. Le journal américain The Telegraph explique que l'assaillant aurait pris part au tournoi lors des qualifications régionales, dans l'espoir de se qualifier pour la finale organisée à Las Vegas. Le tournoi Madden 19 est une compétition de jeux vidéo à joueurs multiples très populaire basée sur les matchs de la National Football League, Ligue nationale de football américain. Et selon plusieurs témoins, David Katz serait revenu plus tard, après avoir été disqualifié plus tôt dans la journée, avec une arme de poing et aurait ouvert le feu. Plusieurs médias expliquent que le jeune homme aurait agi par contrariété à la suite de sa défaite. David Katz, qui était connu dans le milieu du e-sport sous le nom de Red, jouait un rôle actif dans les sports électroniques. David Katz est également décrit comme étant quelqu'un de colérique. Le Parisien indique que des témoins ont raconté qu'il avait agi bizarrement tout le week-end. Video of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/ikaokupsg, Vic Micolucci WJXT, @WJXT Vic, 27 août 2018.